Rick, oui. Walter, Henri, Franck, vous venez de descendre dans les égouts pour atteindre le laboratoire du docteur Vane. Vous êtes tous les quatre dans le réseau souterrain de Washington. Vous avez vos lampes torches, vous avancez en file indienne. Vous avancez pendant un long moment. Vous avez les détails que Dimitri vous a donnés pour trouver l'entrée du laboratoire. Et vous arrivez à une sorte de cul-de-sac. À ce cul-de-sac, vous voyez une échelle qui grimpe vers une trappe. Et vous allez tous me faire un jet d'observation. C'est parti. Merci Walter. Ouais. Rien. Non, mais. Y'a que toi qui vas le foirer. Y'a que moi qui foire, quoi. Je suis tellement en carton. Y'a que toi qui vas le foirer. Non, mais. Allez, arrête. Voilà. Les gars, c'est juste un jet d'observation, bon. Hein. Craquez pas votre slip. Pas tout de suite. Oui, mais bon, tu sais, vous le talent c'est inné. Dans hein. Quel ordre vous avancez dans le souterrain des égouts? Je vais passer devant, vu que, a priori, je suis celui qui sert le mieux d'un flingue. J'ai pas envie. Deuxième. Bah, puis moi j'ai une arme, je vais finir la route voilà. Pour très bien. Protéger derrière. Donc Franck, Rick, Walter et Henri. Donc vous arrivez dans le dit cul-de-sac et vous voyez donc le long de l'échelle, sur les parois des égouts, vous voyez des lacérations, des griffes, des marques de griffures qui grimpent vers la trappe. Les mêmes dimensions que vous avez pu observer sur le corps de l'infirmière Ambrose notamment. Donc vous supposez que le dénaturé est bel et bien passé par là. La trappe est assez large, assez grande, pour pouvoir vous glisser. Que faites-vous? Toujours aller siphonner une bagnole, hein, je le répète. On peut toujours mettre le feu aux égouts. En fait, on va t'appeler Johnny. Ouais. C'est ton surnom. Ouais. Dans l'absolu, j'avoue que j'ai moyen envie d'aller pousser la trappe sans savoir ce qu'il y a derrière. Est-ce qu'il y aurait, je sais pas, un bâton, un truc qui pourrait me permettre de surélever un peu la trappe, histoire de, s'il y a un piège, déjà qu'on se le prenne pas, quoi. Tu as ton pistolet. Ouais, mais un truc un poil plus long, ça sera... Tu as ta lampe torche. Ta lampe torche. Non, mais je sais pas, des égouts, long. Il pourrait y avoir un bout de bois. Je demande. Non, non, non. D'accord. Ok. Tu ne vois rien. Super. Les égouts sont vides. À part, évidemment, les. À part ce qu'on trouve dans des égouts. Les déchets. Voilà, des rats. Et à part la mort qui t'attend au bout, mais. Voilà. Trois fois rien. Oui. Vu que j'ai pris la tête jusque-là, qui c'est qui passe devant maintenant? Non, mais c'est bon, je vais y aller. J'ouvre tout doucement la trappe en mode Rambo, comme ça, avec le flingue qui est prêt à tirer. Donc, tu grimpes les échelles. Oui. Tu grimpes les barreaux de l'échelle. Tu arrives au niveau de l'ouverture. Tu vois que la trappe est déverrouillée. Tu glisses un œil à l'intérieur. Et tu vois, tu distingues avec ta lampe torche une petite salle. Tu vois une porte juste en face de l'ouverture. Tu distingues vraiment une toute petite salle. Genre un sas. En gros. Bon, et ben j'avance plus en avant. Pareil, le flingue à la main, prêt à tirer, tout ça. C'est tellement à la merde. Oui. Bien, tu arrives dans la dite salle. Rick, tu vois ton camarade ouvrir la trappe en grand pour passer à l'intérieur, passer à l'étage du dessus. Tu vois, pareil, avec ta lampe torche, tu arrives à distinguer des murs d'une petite pièce pendant okay. que Franck assure la garde. D'accord. Donc, il est dans la pièce, là, on est d'accord? Tout à fait. Il est dans la pièce, donc on va dire qu'il monte l'échelle, paf, il atterrit directement voilà, en face, quoi. Il regarde face à tout lui, à fait. Quoi. Bon, bah, je monte pour faire en sorte, de quand je sors de la salle, de pouvoir observer derrière lui. S'il te plaît. Oui. Parfait. Donc, la salle fait quelques mètres carrés. Vous allez pouvoir tous rentrer à l'intérieur. Franck,
Est-ce que on voit de la lumière sous la porte? Aucunement. Ah. Kenini. Kenini. B2Zeb. J'aimerais écouter quand même à la porte. Donc, je dis à tout le monde de faire le silence. C'est juste vraiment d'essayer d'écouter s'il y a du bruit derrière la porte. Tu tends l'oreille en t'appliquant contre la porte. Tu n'entends rien de particulier. Tu n'entends absolument rien. D'accord. C'est super. J'ai peur quand même. Bon, pourquoi? Non, je sais pas non plus. Pourquoi? Il n'y a aucune raison. Donc, bon, je... Alors, je me retourne vers Walter. Attends, juste la porte. A priori, elle s'ouvre vers nous ou à l'intérieur de la... Tu vois les gonds à l'intérieur de la dite pièce, donc tu supposes qu'elle s'ouvre vers toi. D'accord, très bien. Vers l'intérieur. Donc je dis à Walter, bon, Walter, a priori c'est toi qui sais le moins de servir une arme à feu, tu vas ouvrir la porte, te mettre derrière et Rick et moi on passe devant pour réagir tout de suite s'il y a besoin. Ouais. Ok, je fais ça. Je vais m'avancer et... Et ouvrir la porte. Ouvrir la porte. Vous êtes prêts? La porte non. Qui est là. Si vous êtes prêts. Non. Oui. Tu ouvres la porte, Walter. J'ouvre la porte. Tu mets ta main. Voilà, tu mets la main sur la poignée. Tout doucement, tu regardes tes camarades. Tu ouvres, tu entrouvres la porte. Tu discernes une autre salle de l'autre côté. Non, il n'y aurait pas de porte. Est-ce que je sais, moi? J'ouvre la porte et je vous laisse passer. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est qu'est-ce qu'on avait dit. Exactement. En mode tortue lumière, c'est ça? Formation tortue. Formation tortue. Du coup, moi, ce que je vais faire, si c'est mon tour... Tu peux y aller. Ok, je vais me tourner vers la droite en entrant dans la pièce. Ben moi, je vais faire pareil, mais à gauche. Voilà. Moi, je vais regarder tout droit. Et exactement. Ok. Il y a un petit muret. Et moi, je m'émets entre Rick et Henri. Le planqué, tu vois. On va y passer tellement 3 heures, en fait. J'avance de 2 pas. Très bien, donc vous pénétrez dans la seconde salle. Vous voyez sur votre gauche une autre porte. Face à vous, une porte à double battant. Et vous voyez que la pièce tourne légèrement sur la droite et cache votre vision pour la suite. Est-ce qu'on voit des traces de... typiquement des traces de sang par terre qui pourraient nous dire par où est partie la bestiole ? Je vais te faire un jet de toc dans ce cas-là pour le déterminer. Je t'en prie. Un jet ouvert. Et oui, sans problème particulier, tu y arrives car tu es à 80. Oui. Tu vois plusieurs gouttes de sang qui passent au niveau de la première salle d'où vous sortez. Plusieurs assez récentes, d'autres... plutôt anciennes, puisqu'elles sont assez sèches, assez plutôt brunes. Tu distingues aussi pas mal de griffes qui viennent vers ou de la salle avec la trappe, vers l'accès aux égouts. Tu vois que les dites griffes viennent en majorité de cette direction. Bon. Ok. Bon, on fait quoi? On fouille les autres salles pour être sûr ou on va directement là-bas? Alors moi, j'aurais personnellement... bien regardé l'autre salle avant, mais... moi je pense que j'irais bien fouiller les autres salles au cas où, si on peut trouver... Déjà voir si elles sont sécurisées, si on risque rien de qui pourrait venir de ces pièces-là. C'est ça.
Voilà. Enfin, on peut s'imposer une confrontation en plus, hein, je dis ça. Ouais, c'est un peu le risque. Oui. Voilà. C'est quand même le labo, donc tu sais pas ce qu'il fout là-dedans. Ça se trouve, on va arriver dans une salle pleine de bestiaux, là. Non, mais avec un peu de chance, on va ouvrir une porte et les flics pourront venir avec nous. Ils sont pas assez nombreux. Non, mais c'est vrai que pourquoi les flics ils sont pas dehors, avec ils nous sont encerclés le bâtiment. Si on leur ouvre l'accès, ils peuvent nous rejoindre. Bah justement, ils sont suffisamment occupés et pas assez. Ils sont occupés à bloquer toutes les autres sorties possibles dans les rues. Et plus l'entrée des égouts, et ils ne viennent pas avec nous parce que ils bloquent tous les accès. Et Non, voilà. Mais je ne doute pas que du coup, renfort va arriver. Voilà, faut être positif. Ouais. Thompson, si tu m'entends. Bon, j'avance. Voilà. Ouais. Attendez-moi, me laissez pas tout seul derrière. S'il vous plaît. Les femmes et les enfants d'abord. Et les fragiles d'abord. T'es ni l'un ni l'autre. T'es ni l'un ni l'autre. Je te rappelle. Porte en attendant ou Oui. Ouais, je ziote, je ziote. Ok, bah ziote. Très bien. Donc, vous arrivez à une seconde porte qui, elle, est simplement fermée à première vue. Que faites-vous? Qu'on entend du bruit. Je vais l'entrouvrir discrètement. D'accord. Avec ma lampe éteinte. Mets la main également sur la poignée. Tu entrouvres la porte qui est ouverte. Et tu vois une autre pièce. Il y a un couloir. Merde. Un couloir. Je vais demander à quelqu'un de venir avec moi. J'arrive. Pour qu'il puisse regarder sur la droite quand je regarde sur la gauche. Voilà, faisons ça. Moi je surveille derrière, je peux pas. Voilà. Tu peux pas. C'est dommage, hein. Vraiment. Vous pénétrez dans ce qui semble être une cuisine bricolée, un peu à la va-vite, de manière assez spartiate. Vous voyez un poêle en très mauvais état, une table avec de la nourriture a priori avariée vu les nombreux verres qui y grouillent. Oh. La pièce est également vide. On fait comme tout à l'heure un tour vite fait histoire d'être sûr et puis sortir. Hein. Juste rentrer. Et voir si je D'accord. peux pas essayer de me trouver un petit couteau, ma foi, pour me défendre. T'as celui de Kathleen. Ouais, mais tu as le poignard de Kathleen. En fait, elle va faire après un entraînement au Cirque du Soleil pour du lancer de couteau. C'est ça. non, mais c'est un poignard, tu vois, c'est un petit poignard, s'il y a pas un truc un petit. Pas, donc, voilà, un cheptoman, c'est tout. Je vais te faire un jet de toc. De ouf. Dans ce cas, également ouvert. Mais vous faites du. Ok. Elle m'a bandé. C'est de mauvaises augures. Tu arrives et tu vois parmi le bazar qui se trouve sur la table et un peu partout au niveau des plans de travail, tu vois un couteau de boucher qui est recouvert de sang séché. Tu vois de la viande pourrissante aux alentours. Charmant. Plein de piments. Tu vois que le couteau est bien rouillé. Mais qu'il a l'air encore tranchant. Bon, en fait, c'est un coup à ce que je le prenne et que je blesse quelqu'un d'autre avec et qu'il se chope un truc. Donc, en fait, non, je vais garder juste mon poignard. J'ai fait tout ça pour rien, merci. Voilà. Franck, tu arrives au niveau d'une autre porte. C'est ça, c'est qu'est-ce que je me disais. Je voudrais écouter derrière, voir si j'entends pareil du bruit, s'il y a de la lumière qui passe dessous, enfin, comme d'hab, quoi. Tu colles également ton oreille à la porte, tu n'entends rien de l'autre côté. Rick. Oui. Tu es dans la pièce à faire le guet, que fais-tu? Je rejoins mes chers camarades. Oui, très bien. Et je rejoins donc mes chers camarades, paf, 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 hop, toujours en regardant derrière moi, blablabla. Et alors. Je ferme la porte. Elle est fermée. Tu décides de fermer la porte. Ensuite, question. Est-ce qu'il y a des bouteilles d'alcool? Bonne question. Tu distingues quelques bouteilles
Je vais te faire un jet de toc également. Attention, le jet de merde. Oh. Je suis ravi. Tu distingues parmi les bouteilles vides une bouteille à moitié remplie. Tu ouvres le bouchon et tu sens une forte odeur de gnôle. Ok, je prends la bouteille avec moi et je déchire un bout de ma chemise pour y insérer un bout de tissu dedans. Voilà. Voilà. Vu que tu es le seul à avoir un briquet. Exactement. Bien. Voilà, et je conserve la bouteille avec moi afin de pouvoir en disposer ultérieurement. Très bien. Que faites-vous maintenant ? Ben, j'appelle Henri ou Rick, enfin celui qui veut, pour venir avec moi pour ouvrir la deuxième porte. Ouais, j'arrive. Allez. Ah, il en faut un qui surveille l'autre porte, hein, toujours. Oui, ben je suis toujours aux aguets. Parfait. Bien. Vous arrivez du coup au niveau de votre porte. Vous activez la poignée et celle-ci semble également ouverte. Eh ben ça va, on a de la chance. J'aime pas bien beaucoup ça. C'est rare. Vous arrivez dans une salle qui semble être un peu plus grande. Et Franck, tu sembles observer des formes qui t'indiquent probablement un dortoir. Oh. Tu vois des lits. Un dortoir. Alors peut-être qu'on va trouver des nanas enceintes, mais du coup, elles risquent de gueuler. Donc, j'ai fait avancer doucement. Hein. Pourquoi c'est moi qui passe devant ? C'est une connerie. Bon, pareil, Henri, tu surveilles la droite. Hein. Ouais, pas de problème. Vous entrez dans le dortoir, vous distinguez une dizaine de lits. Vous voyez que à l'intérieur de ceci, vous voyez qu'ils sont défaits, vous voyez qu'ils sont assez vétustes. Vous voyez des draps déchirés qui commencent à avoir un aspect douteux. Vous voyez des taches sur les lits qui semblent être des taches de différents liquides, substances fluides, corporelles ou autres. Vous ne voyez pour l'instant que ceci. On est dans l'hôtel à côté de chez Redo, en fait, ou bien... Je ne soulèverai pas cette information. Vous voyez, du coup, une petite commode, et vous voyez également un passage qui donne vers une autre porte. Alors, je propose que Rick et moi, on passe devant, Henri juste derrière, et tu sais pourquoi, et Walter derrière. Je sais pourquoi. Tu sais pourquoi. Oui. Ok. Vous arrivez au niveau d'une énième porte. Qui active la poignée ? Moi. Rick ? Oui. Tu actives la poignée. J'active la poignée. Et alors que tu actives la poignée, tu te rends compte qu'elle est fermée. J'étais sûr. Okay. C'était ça où elle était reliée au secteur, hein, de toute façon. Donc, elle était électrique. La porte est verrouillée. Crochetage. Alors attends. Est-ce que par souci d'éviter de se faire backstabber, on n'essaierait pas de bloquer cette porte là pour repasser de l'autre côté comme ça avec un lit? Par exemple. Oui, histoire de faire bien du bruit, ouais. Quand on veut pousser le lit au niveau de la porte. Oui, c'est la faiblesse du plan. Mais... Bon. On peut juste bloquer la poignée avec la chaise, par exemple. Voilà. Ouais, mais en face, on a quand même un truc qui est assez mouse, quoi. Si y a quelqu'un qui se barre par là en défonçant la porte, on est sûr de l'entendre. Bon, de toute façon, elle est fermée, nous on pourra pas l'ouvrir. Bah, si, moi je peux la crocheter, hein. Ah! Bah, tu. Eh oui! Bah, fait! La crochette! Bah, oui! Tu es en tête, tu te trouves face à la porte, que fais-tu? Bah, je vais essayer de crocheter la porte! Et moi, je surveille nos arrières pour l'instant. Voilà! C'est quand même passé de je la crochette ou je vais essayer, quoi.
C'est ça. Oui, parce que là, je vois tous les jets de dés qu'il y a eu qui sont pas trop dégueux jusque-là. Moi, c'est mauvais signe. Ça sent le foin un petit peu. Ah bah là, t'es foutu, t'es foutu. Tu vas me faire ton jet de crochetage, tu es à 60%. Alléluia, oh my frère. Et voilà. Hosanna, Hosanna. Ça commence. Voilà, ça commence. Tu rentres tes outils à l'intérieur de la serrure. Et à un moment, l'un de tes outils casse. Sa mère. Tu vois que la serrure est assez vieille. Tu vois également que la porte n'est pas en très bon état. Tu vois que c'est une porte, une simple porte en bois. La formation pour dire est-ce que vous défoncez la porte ou non. Pas. Non, non. Franck. Bah, j'essaie de mettre un coup de tatane dans la porte pour l'ouvrir. Eh bien, tu vas me faire un jet de puissance. Tu vois que la porte est assez ancienne du coup, qui est commence à pourrir. Les planches commencent à s'effriter légèrement. Donc tu vas me faire ton jet de puissance avec un bonus de 10 qui est à 75%. Allez, c'est qui part. C'est pas le fou. Tranquille. Easy money. Tu écartes Walter du bras sans le regarder, tu prends un peu d'élan, tu te jettes contre la porte, celle-ci éclate et tu vois à l'intérieur de la dite pièce un corps. Super. Il est à moitié nu. Oui. Oui. On fait comme d'hab, on rentre un qui regarde à gauche et qui regarde à droite. Je regarde à droite. Je regarde à gauche. Vous arrivez dans ce qui semble être une pièce de passage où il y a plusieurs portes. Vous voyez qu'il n'y a rien d'autre. C'est une sorte de hall. Vous discernez donc une personne allongée au sol. Vous voyez qu'il y a beaucoup de sang, abondamment de sang. Vous supposez donc qu'il s'agit d'un cadavre. Je m'approche et je vérifie que c'est... Je pense que c'est Novak, donc je dois en être sûr. Ouais. Il y a des chances. Tu t'approches du corps, tu vois que la personne est couchée à plat ventre, en partie recroquevillée. Tu... Avec ton pied, tu... Ou ta main, tu... Non, non, le pied. Parce que c'est peut-être la bestiole aussi, hein, donc je me méfie. Tu le fais retourner et tu vois le visage... Celui que tu as vu dans le hall de l'hôtel, le visage de Dimitri Novak. Bon. Bien vu. Ça, c'est réglé. Eh ben. On fait vite fait le tour du regard avec les lampes de la pièce pour vérifier qu'il y a rien d'autre. Très bien. Donc vous pénétrez dans la salle. Toutes les portes, à part celle d'en face, est ouverte. Toutes les portes, à part celle d'en face... Donc, vous voyez, Franck, tu as pu voir de ton côté la porte par laquelle vous êtes rentré. Enfin, passe à la base, voilà, qui est barricadée par une grosse barre métallique. D'accord. Je vais vous faire un jet de toc, un jet commun, du coup, pour déterminer si oui ou non. Et non. Oh putain. Eh mais Roll 20, mais ce site est tellement pété quoi. Vous ne trouvez rien de particulier et vous voyez le corps qui baigne dans le sang. Vous voyez quelques griffures par-ci par-là qui semblent correspondre aux griffures du dénaturé. C'est incroyable. Donc c'était une observation primaire, donc à première vue. Rick, que fais-tu ? Donc, à première vue, donc dans cette pièce, on ne détermine rien de particulier. Voilà, donc d'accord. C'est juste en arrivant dans la pièce, vous regardez le corps avec votre lampe torche à moyenne distance, vous ne voyez rien de particulier okay. qui puisse vous interpeller. D'accord. Walter, est-ce que tu peux venir avec moi ? Pour observer un petit peu justement le corps de notre cher défunt
et essayer de déterminer de manière assez sommaire justement les causes de la mort et voir s'il avait peut-être aussi quelque chose sur lui qui pourrait peut-être nous être utile. Walter. Évidemment. Ah, merci. Vous êtes bien urbain. Bien, donc vous vous approchez tous les deux du corps. Walter, que décides-tu de faire ? Bah écoute, je vais te faire un petit jet de médecine hein, pour essayer de voir depuis combien de temps il est mort, si par quelle cause, si je vois quelque chose de particulier quoi. Très bien, tu vas me faire donc ton jet de médecine. Tu es à 90%. Là, mais c'est le jour et la nuit les GT, hein. C'est hallucinant. Ça. Donc maintenant on va l'appeler Docteur Green. tu regardes le corps, tu regardes Rick et tu sors tes lunettes de soleil. Je crois que cet homme est mort. Plus sérieusement, tu vois que le corps a de profondes lacérations, marques de griffure évidemment. Et une marque, un jet de griffure qui est beaucoup plus important que les autres et qui vient lui tailler largement le thorax. Et tu distingues plusieurs organes. J'arrive à déterminer depuis combien de temps il est mort. Plus ou moins. Tu vois que le sang est encore frais, tu vois que la rigidité cadavérique n'est pas encore tout à fait lancé. Donc tu supposes que le corps est là depuis quelques petites heures. Tu vois que le corps est à peine tiédi. Ah, oh, c'est dégueulasse. Que... Je pense que la bait n'est pas loin. Oui. Oui, oui. Oui. Je pense que cet homme est mort de décès. Yeah, ça aurait été drôle s'il avait été décapité. Je crois que cet homme n'a plus toute sa tête. Rick, tu vois que Walter est appliqué dans sa recherche, dans son étude cadavérique. Que fais-tu ? Je peux pas porter grand-chose de particulier si ce n'est l'info que nous a transmis du coup à Walter, du fait que Novak soit mort. Il y a très peu de temps finalement. Alors, il y a cette petite pièce là dans cette direction qui m'intrigue, et il y a évidemment cette porte là, voilà, qui est un petit peu maculée de sang, de ce que je peux observer. Alors, j'aimerais pouvoir faire le tour avant. D'accord. Très bien. Avec un compagnon de route, si je vais te laisser faire ton petit tour. Je vais solliciter Henri pour m'accompagner. Très bien. Voilà. Moi, je voulais juste vérifier un truc sur les traces de sang. Je voulais voir si est-ce que c'est le mec qui a rampé pour venir jusqu'ici ou est-ce que ce sont des traces du monstre qui part. Je vais te faire un jet de toc. J'allais poser exactement la même question en plus. Toi, Henri, tu ne vois rien de particulier. Tu vois des traces de sang, tu n'arrives pas à voir s'il y a une quelconque piste, un passage, direction indiquée par les traces de sang. Mmh. Ah, tu as la porte en face de toi, du coup, une autre porte à double battant, et une porte sur ta droite qui est ouverte et qui semble se diriger vers un couloir. Franck. Bah, moi je voulais regarder aussi les traces de sang en fait. Je voulais poser exactement la même question qu'Henri. D'accord. Mais bon, du fait de mon passif professionnel, je suis peut-être plus à même de voir ces choses-là. Je vais te faire un jet de toc. Mm-hmm. Également vert. Le jour et la nuit. C'est ça. Vous voyez des traces de sang abondamment. Et puis c'est tout. Répandues dans la pièce.
Bon. Et ben... toute la zone entre le cadavre et votre position. Alors, je me dis que si la bestiole, elle est par là, si la bestiole est derrière cette porte-là, c'est plus intéressant de faire le tour et de la prendre à revers. Voilà. Donc autant essayer de partir par ici. Rick, c'est une excellente idée. Oui, je trouve aussi. Voilà. J'ai plus soi. Voilà. Voilà. J'adhère. Voilà, je t'en prie, que fais-tu? Habile, Bill. En écoutant justement notre très cher Franck théoriser sur la stratégie éventuelle à adopter, bah je valide. Je valide. Et moi, ouais, ce serait pas mal de passer justement du coup par là. Déjà pour observer, voir si c'est pas un cul-de-sac, quoi que ce soit, je ne sais pas. Et ouais, avancer tout simplement par ce petit interstice. Ou on suit. Donc, je suis en première marche, comme d'habitude. Je suis en première ligne, voilà, à pas peur. Vous avancez non, tous ensemble. Je vais fermer la marche par contre, parce que si jamais on se fait prendre à revers, voilà. Vous entrez dans une autre salle. Oh Rick, non. Alors que tu rentres à l'intérieur, tu sens une odeur nauséabonde, une odeur de décomposition. Oh non. Et tu vois un peu plus loin un charnier humain. Ah oh, putain.